Je ne sais même plus où on était. Attends, ça me dit quelque chose. On était... Ah oui, dans le désert Gerudo. J'avais dit qu'on allait peut-être prendre la tour ici. Je pense. J'ai dit un truc comme ça, je pense. Histoire de... Attends. Ah, si tu vas au soleil. Ah oui, d'accord. Histoire de... Bah, elle est où la tour? Je vais aller à la tour. Et je vais aller directement prendre l'autre tour. Comme ça, on dévoile toute la map et va faire un coup. J'en ai un peu marre là. Et après, on retournera, je pense, sur... In de Gerudo Valley. Ça, on l'a fait, je crois, juste les miasmes qui sont ici. On l'a fait. Ok. C'est à droite. Elle est là-bas, la tour. Je sais pas si on va y arriver. Hein. Enfin, on peut y arriver avec le... L'inclination... L'inclination que j'ai. Mais on n'aura pas assez de... Comment ça s'appelle? De stamina, je pense. Alors, peut-être que si on trouve une petite île pour faire escale, mais je crois pas. Je crois que c'est trop tard. Tant pis. Ah ouais, je pense pas qu'on va y arriver. Poussez-vous! Il y a des miasmes ici. Donc attends. Il y en a plusieurs même. Oui. Donc faudra peut-être y retourner. Carrément un truc pour te dire de sauter quoi. Ah, il fait froid. Allez, au moins un dernier coup. Un dernier coup de Babybel. Oh bah. Pile poil sur un Korogu. Évidemment, j'essaie de courir avec les touches de Jedi Survivor, hein, parce que bon. Oh, mais j'ai les... On a un autre à mettre. Je ne vois pas. Ah, ici. Et je suppose qu'il est là. J'ai bien supposé. Ouais, c'est ça. Dégage. On en a marre des Korogus là.
La tour est là-bas. Est-ce que je peux trouver un moyen de monter? Non. Quoi ça? Oh là, c'est quoi ce ravin? Et c'est quoi cette pierre? Ah, c'est les Yiga. Allez, la dernière tour. On y est. S'il n'y a pas un truc chiant à faire. Il y a une caverne à côté, une grotte. Tour des hauteurs Gerudo. On est toujours chez les Gerudo. Ok, je suppose donc qu'il faut y aller par en dessous. Donc par la grotte qui est à côté. Voici genre la construction de la tour. Ok, bon, c'est par là. J'ai pas envie de lire. On va s'habiller en. Je pense qu'il faut aller là-bas. Hein. Il faut monter par là-bas, quoi. Bah, monte! Pas sûr que ce soit un. Après, est-ce que j'aurais pas une ah voilà une planche en bois.
Eh, me déçois pas, hein. Non, hein. Non, c'est bon, ça devrait aller. Hop là. Et c'est parti pour la dernière tour. Mince, j'ai gardé mon habit. Tant pis. Faudrait peut-être aller là. J'aimais tellement mieux les tuniques sur Ocarina of Time où ça changeait juste de couleur et c'était stylé. Il n'y avait pas besoin de faire plus. Ah oui. Alors déjà, est-ce qu'il y a des sanctuaires par ici que je ne vois pas? Ah, il a froid. Il a froid ce petit salopio. J'aimerais bien aller sur cette boule, mais je sais pas. Hein? Ah mais attends, est-ce que ce serait... Non, je pense pas. Ah si, peut-être. Un truc qui fait pas trop mal là, que je peux utiliser. 23. 12. 12. Il fait encore plus froid là? Vous êtes chiant un peu, hein? Ouh, je sais pas si j'y arrive en fait. Si ça doit aller. Alors je vois des petits trous dans la structure, je sais pas si je vais pouvoir reprendre de la stamina. Ah oui. Pas prévu ça par contre. On va essayer de monter. Comme ceci. Je pense que je peux.
Voilà. Se calme, Link. Accroche-toi, merci. Accroche-toi, s'il te plaît, merci. Accroche-toi. C'est chiant, faut lui dire à chaque fois. Ok. Maintenant, je suppose qu'il faut trouver le trou. Ah non, mais le trou est là. J'ai trouvé le trou. Oula, mais qu'est-ce qui se passe ici? Île de la voûte céleste? Quoi? Oh, ça m'a l'air chiant. Oh, punaise. Est-ce qu'il faut tourner le machin? Oh là là. Lequel déjà? C'est lequel qui a pris? Celui-là là-bas. Ah ok. Ok. Mais il y en a énormément là, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, il faut que je comprenne le truc là. Rogokan. Non, je suis pas sous l'eau là, je suis dans une île que je trouve au pif, qui m'a l'air bien chiante. Et salut Nosfé. Je suis en train de réfléchir à si s'il ne faut que je s'il faut que je ne déplace rien. Mais je à mon avis s'il y a le truc là-bas, ce truc-là, à mon avis, on peut pas voir. Il donne des miroirs à mon avis et du coup il y a un truc que je ne sais pas. Réfléchir à comment arnaquer. Je peux pas arnaquer ce moment-là. Je pense que je ne peux pas arnaquer. Ça m'a l'air trop compliqué pour arnaquer. Oh, il y a peut-être un moyen d'arnaquer, mais à mon avis. Faudrait que j'aille là-haut déjà. Tiens. On va tenter déjà d'aller là-haut. Voir un peu ce qu'il en est. Ok, donc là-haut, il y a un truc qui reflète. Ça reflète partout sauf où je veux.
On peut les enlever. Ah, on peut tourner ça aussi, ok. 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 Donc là, on a au moins celui-là déjà. Je pense. Ah non, c'est peut-être pas à la bonne hauteur. Les énigmes miroirs. Je préférais les énigmes miroirs de Ocarina of Time. Hein. Au moins. Attends. Au moins, les énigmes Ocarina of Time, c'est avec ton bouclier. Qu'est-ce qui s'est passé? Merde. Très bien. Tout ça n'aura à servir. Ah si, c'est là. Bah non, je peux pas. Si? Ok. Bon, c'était facile! Mais moi je veux pas ça, moi je veux aussi le. Du premier coup. Mais moi je voulais aussi le coffre là. Bon, même si j'ai peur que ce soit un troll. Comme à chaque fois avec les Japonais. Ici il y a un truc qui redescend. Pour faire redescendre de là-haut. Et si je fais un. Il y a moyen d'arnaquer là. Si je fais genre comme ça. Et je prends un... Il est où? J'en avais. Voilà. S'embêter pour 5 graines Lumos. Attends, j'ai pas pensé, ça se trouve, tu peux utiliser les graines. Les graines Lumos. Tu pouvais. Oh oui! Représentez-les à une statue de la déesse. Enfin. Je vais voir si ça sert à quoi. Ouais, je pouvais faire ça pour l'autre, peut-être. Okan. Et je me suis dit, oh, on va faire les trucs. Le truc pour de vrai, quoi. Là, on a dévoilé toute la map. Là, j'ai pris la dernière tour. Tranquille. Allez, 5 graines Lumos. Longue baguette stellaire. Magique aurait appartenu à un mage qui s'en servait pour éveiller le pouvoir latent des gemmes. Non, mais attends, c'est une baguette normale. On est d'accord. Donc je m'en fous. Les gars, ils s'embêtent avec 75 000 et tu peux juste sortir ton sac pour te arnaquer. Je sais pas si tu peux. Mais peut-être, je pense. Allez.
On a fait cette petite île sympathique. Bon, c'était pas ouf non plus, mais en fait, ça avait l'air beaucoup plus difficile que ce que ça avait l'air. Est-ce qu'il y a un truc au fond? Parce que moi, je suis pas allé au fond. Y a rien, apparemment. Attends, mais il n'y a pas de deuxième ligne. Ça allait jusqu'au bout de l'écran, c'est à l'heure. Si, si, je pense. À partir de 20, on m'a dit. Ouais, j'ai perdu le compte de combien j'en ai déjà, donc. Donc, bon. Alors. C'est par où? Je peux pas aller sur ces petites îles. Il y a un carré là-bas, donc c'est sûr. Alors déjà, parce que moi je fais jamais ça. S'il y a un sanctuaire ici, c'est qu'il y en a un là. Là-dessous. Enfin, je pense. Aller sur ces, enfin si je pourrais, mais il me faudrait quelque chose. J'ai la flemme. I got the flume. Sur celle-là, vas-y, hop. Je vais pas regarder s'il y a des sanctuaires en ayant pris la tour. Il y a même pas un Korogu là, t'es mort. Il y a une fleur radieuse. Alors ça, si ça valait pas le coup quand même. Il y a rien là. Je suis déçu. Je suis choqué et déçu. Ah oui, voilà, c'est ça que je voulais voir. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? On m'a tenté l'assassinat là. Salut Julie. Enfin, du coup. Voilà, mais il me lance des missiles le truc là. Il a un bazooka ou quoi? Alors, regardons un peu où on est. Ok, bon. Je vais aller dans le gros trou là, de miasme. Je sais pas, il m'attire. Ouais, je pense que c'est fait exprès d'ailleurs. Hein. Le jeu, il te dit, va dans le gros trou. Il y a un truc bien. Attends. Tiens, il y a un dessin là. Pourquoi il apparaît pas sur la map?
Ah si, c'est celui-là. J'ai rien dit. Je ne vois pas de sanctuaire là, c'est assez bizarre. Pense qu'on va en révéler un peu avec les profondeurs. Il y a un autre trou ici par contre. Bah il y a énormément de trous. Faut bien choisir. Choisir le bon trou. Mais je pense que le jeu il veut qu'on rentre dans le dans celui-là. Paravoile Simulator. Pourquoi le jeu il te montre des... Ah oui, d'accord, je m'en rappelle de cet endroit-là, chez les Guerrido. J'aurais peut-être dû... Ok. Le but, c'est celle-là déjà. Ah, il y a une musique dans les profondeurs aussi? Ça. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Merde. Est-ce que j'ai un truc? Oh, attends, c'est quoi cette gueule de map là? C'est quoi la gueule de la map là? Ah oui, ok, ça c'est... Il y en a une autre là-bas, est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on tenterait pas le... Ou alors c'est celle-là? Non, ça a pas l'air. Celles qui sont éliminées, elles sont en jaune, je pense, ouais. Donc on va peut-être tenter celui-là. Déjà, on va se changer parce qu'il est dégueulasse comme ça, Link. Pas vrai, ça. Voilà. Donc là-bas, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de monter plus haut? Déjà. Je sais plus où il est. J'ai perdu de vue. Là. Tu vas voir, on va arriver là-bas au fond et comme de par hasard, il faudra... Tu pourras pas y aller. Parce que... Ah tiens, c'est quoi ça là-bas? Pourquoi il y a une petite île avec... Ah ok. Ouais, je m'en fous. Tac.
Attends, j'ai une idée. Par contre, je sais pas si ça va monter assez haut. Non, je pense pas. Je retourne sur R2. RE2 encore? Non, mais tu joues qu'à ça ou quoi? Attends, mais pourquoi j'irai pas sur celui-là? Et après, je me déplacerai. Autant faire ça, non? Je sais pas si tu es au courant ou non, mais dans le sous-sol, il y a des fantômes de soldats qui te remettent des armes non corrodées. Oui, c'est les. J'en ai, je crois. Les statues? Ou. Attends, on va faire un truc. Voilà. On va se déplacer ici. C'est les statues avec qui portent des armes? Ou je me trompe peut-être? Et voilà, j'en étais sûr. J'en étais sûr. On va essayer celui-là. Ils sont sur des petits monticules. Oh, ça me sort des mots français que je ne sais même plus ce que ça veut dire. Attends. C'était là. Des monticules. Des petits tas de pierres. Voilà, tu dis des petits tas de pierres. C'est des tas de pierres ou c'est des espèces de. Bon, je dirais pas des poteaux, mais. Je sais pas, je pense que j'en ai pris quelques-unes, mais. Alors. Ce serait mentir dire que j'ai vu qu'ils étaient pas corrodés, parce que peut-être que je n'ai pas vu ça. Hop! Ben là, on a fait une belle zone là. Ah, il y en a encore? On va aller sur ce miasme-là et aller un peu sur. Oh là là, putain, mais c'est chiant ça. Je vomis. Là, il y en a un. Attends, on va essayer d'aller sur celui-là. En gros, c'est là que tu peux récupérer les meilleures armes du jeu. Ah bon? Mais je crois que j'en ai prise 2 ou 3. Mais je sais pas si c'était sur des monticules. Je m'arrache les cheveux à force de réfléchir. Ah oui. Moi j'ai pas ce problème pour les cheveux déjà. Réfléchir à quoi? À l'écriture. Oula, oula, celui-là il a l'air chiant à voir. Je vais aller. Va essayer. Ici. Est-ce qu'on le voit par ici? Apparemment non. On va quand même essayer.
Ça, c'est ça le petit monticule. Et qu'est-ce qu'elles ont de plus en fait, celles qui sont pas corrodées? Je passe par où, moi je j'y vais. Je sais pas où on est, mais on y va. Là, il y en a un autre petit monticule. Ça fait beaucoup de monticules quand même. Ah. Pas de chance. Pas de chance. C'est vrai que j'ai pas pensé à faire ça. Qu'est-ce qu'on fait? Plus puissante et plus résistante. D'accord. Bah ouais, mais si elles sont pas plus puissantes que ce que tu as, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Par exemple, si tu en as vraiment des plus puissantes en main, par exemple là j'ai un truc qui fait... bon là, celui-là il est éclaté, mais... là j'ai un truc qui fait 12. Si le truc il fait 8, est-ce que ça vaut le coup quand même? Est-ce qu'on se construirait pas un petit avion là? J'ai la flemme. On va essayer de monter là-haut, on va voir déjà. Ah, j'ai été un peu trop optimiste. Des fois, je me dis, je suis un génie, je peux pas. Je suis trop intelligent pour cette terre. Sais pas où je suis, hein. Est-ce que je vais être un génie ici? Je ne pense pas. Ah, peut-être. Attends. Suis toujours un génie. Ça changera pas. Je suis un peu moins génie là. Je sais pas où je suis. Mais j'y crois. Le pouvoir de l'amitié. Salut les gars. Je suis juste de passage, vous inquiétez pas. Je suis revenu au même endroit. Je sais même pas où je suis. Je suis revenu au même endroit, mais chez. Bon, c'est pas grave. Allez. Ça suffit. Quoique celui-là, on va l'essayer quand même. On va voir.
Alors, où est-ce que j'ai noté là? À gauche. Fait chier un peu les profondeurs, hein. C'est sympa, mais ça me fait chier quand même, hein. Moi, je ramasse les esprits comme si ça dépendait de ma vie, mais... Allez. On va faire le meilleur avion du monde. Ah, mais attends. Voilà. Quoi, on peut faire des boules de neige aussi? Ça marche nickel. C'est pas par là, monsieur. Oh, attends, c'est bon là. Oh là, ça... Ah bah non. Ici peut-être? Non, même pas. Oh là, il donne des faux espoirs le jeu. Que j'ai fait? Je me mets comme ça. Tac. Attends, j'ai une idée. Lego Zelda. Moi, j'y crois. J'ai dit j'y crois. Tu vas me faire le plaisir, voilà. Est-ce que j'ai encore un missile? Non. Est-ce qu'il y en a ici? Non. Bah en fait j'y crois plus, hein.
T'inquiète, là, je suis paré pour l'attaque, là. Je sais pas où je suis. Nickel, c'est exactement ce qu'il voulait faire. On l'a trouvé. C'est peut-être pas ce qu'on arrive à monter là. Ah voilà le monticule. Il y a un autre monticule là. Ah ouais. Ça là, ça dégage ce que j'ai là. Voilà. Ah bah c'est facile en fait. Un javelot tout neuf, voilà, c'est ça. Tu peux m'enlever la balise, s'il te plaît, le jeu? Merci. Par contre, là, je pense que... que là effectivement ça va être un peu compliqué de trouver l'autre. C'est un peu haut disons. À moins que je trouve un trou dans le bins là. Va essayer. Mais sinon va peut-être falloir continuer Allez, on y croit. C'est de la merde ce jeu. Allez, fais pas ta pute là! Éclater le jeu. Ici. Non plus. Attends, j'ai une idée. Pas une idée. C'est le jeu qui me la donne l'idée, mais... Ça c'est un laser. Ça c'est un lance-flamme. Est-ce que ça marche? J'ai jamais essayé. Ça marche. Allez, à l'abordage.
J'aurais peut-être pu le... J'aurais peut-être pu le construire sur le champignon, par exemple. Ça aurait peut-être été plus judicieux. Vas-y, il faut manger un petit truc. Petit truc de l'infini là. Bon, on aura gagné quand même un peu de... On s'amuse. Il dure longtemps le montgolfière là, je pensais pas. Bah voilà, il suffisait de demander. Y avait sûrement beaucoup plus simple à faire, mais nous ici on aime la difficulté. Je ne vois même pas une racine. Ce qui m'inquiète un peu. Au final, je devais continuer la vallée Gerudo et je me retrouve à chercher une foutue racine. Alors là, il y en a une déjà. Mais est-ce qu'il faudrait pas d'abord trouver l'autre? Et peut-être un peu plus surélevé. Oh, encore un monticule! Bah, ça fait beaucoup de monticules aujourd'hui. Épée de chevalier, on va la prendre à la place de quoi? Le bâton qui fait des flammes.
Non, ici on l'a vu qu'elle y était. C'est là-bas qu'on n'a pas vu. Je commence à plus avoir graines lumos. Ah là voilà, pinaise. Par contre, comment je suis arrivé ici? Oh, j'ai fait tout le chemin là. Ah, il y en a deux. Est-ce que c'est celle-là que j'ai vue? C'est vraiment le stream du ronflage aujourd'hui. Hein. Je sais qu'on dit ronflement, hein. J'ai fait exprès au cas où. Forme bizarre la map là, non? Bon, ça va suffire, non? C'est bon. Ah, par contre, celui-là, je l'avais pas vu. Ça a mal tamponné ou... Bon, on va faire un truc. On va déjà faire les deux sanctuaires là. Je pense. Les trois là, ceux-là. Violet, rouge, jaune. On va voir un peu ce que ça donne. Parce que les profondeurs, ça m'a un peu saoulé. D'ailleurs, je vais faire un amalgame avec le javelastre et l'épestre.
Hop. Qu'est-ce qu'on va amalgame? Vu qu'on a des trucs pétés. 27. Moi je dis on se fait un petit 30. Ah non, j'ai déjà mis celui-là. Un petit 27. Tac. L'épée, on amalgame. On amalgame quoi? Vingt-quatre. Un petit 25. 33? Un petit 33. Ouais, non, j'en ai qu'un. Faut aussi que je dose. Pour quand il y aura le boss de fin. Enfin, les boss, tout simplement. Bon, on va mettre le 30, hein. J'en ai deux. Ou le 24, celui-là. On va mettre le 24 aussi. Fla. Voilà. Là, on a deux bons trucs. Je vais continuer avec le 23, hein. Pour le bronzer, l'idéal c'est de pouvoir voler dans les zones les plus accidentées. Voler dans les zones les plus accidentées. Très bien. J'ai pas compris. Mais je suis d'accord. Où est-ce que j'ai mis mon point, putain de chiasse? Ah bah, attends. Ah bah il est là, je le vois. Ils sont bien cachés les bâtards. Hein. Ils s'amusent les développeurs. Hein. C'est quoi ça? Ah mais ça c'est chez les Yiga, je me rappelle. Incroyable. C'était le combat final, c'était ici en plus. Je me rappelle. Un petit scooter avec un gouvernail et deux turbines et on peut voler sans limite de temps. Ouais. Mais le problème, c'est qu'il y a des. Une relation déséquilibrée. C'est qu'il y a des zones où il y a des montagnes trop hautes, en fait, je pense. Des fois, je vois l'énigme, mais j'ai pas envie de la faire.
Mais sérieux là? Les zones noires sont effectivement infranchissables dans les abîmes. L'idée était bonne. Attends. Je suis trop intelligent pour ce jeu. Ouais, faut contourner au OS. Bah c'est ça en fait. Mais le problème, si tu vu que tu vois pas, bah tu sais pas le chemin qu'il faut prendre. Parfois, t'es là, tu voles 3 heures. Tu voles pendant 3 heures et bah tu vois, tu chopes un mur et après tu sais pas où t'es. Voilà. C'était ma contribution du soir. Attends, on va d'abord aller au jaune. Vas-y. Le jaune, c'est comme le soleil. Voilà. C'est reparti. Ce qui est marrant, c'est que depuis le ciel, tu te rends pas compte de la grandeur de la map en fait. Parce que quand t'es dans le ciel, par exemple, là, tu te dis, bon, je vais aller au point jaune. Et t'as l'impression que c'est tout près. Mais en fait, non, pas du tout. En fait, si tu regardes, les zones noires correspondent au cours d'eau à la surface. Ah oui, d'accord. Oui, c'est vrai. Que je vois un autre sanctuaire au cas où avant de. Je le fais jamais ça. Un limel, linel.
Alors, qu'est-ce qu'il va nous réserver celui-là? Hein? Et pourquoi ça? Bah, je vais pas me plaindre, mais apparemment il y avait quelque chose à faire pour venir ici. Bah, pourquoi pas, hein? Il doit y en avoir par ici aussi. Je pense que c'est possible de trouver tous les sanctuaires tout seul. Je dis peut-être une connerie. Mais vu que tu passes par les profondeurs, quand tu trouves une racine, bah tu vois qu'il y a un sanctuaire au-dessus, quoi. Bon, après, il faut le trouver, mais. Je pense que. Enfin, je sais pas combien de sanctuaires après. Hein. Moi, je spécule là. Allez, on va aller au violet. Sauf pour les sanctuaires dans le ciel, oui. C'est vrai que les sanctuaires. Dans le ciel, c'est différent. Surtout qu'il y en a, par exemple, il y en a que j'ai noté, je m'en rappelle, sur la map. Ils sont notés sur la map, mais il faut faire genre une énigme qui est dans le ciel. Sur laquelle je suis tombé par hasard, quoi. J'ai soif. Tu vois, là, il me dit que par exemple le sanctuaire est ici. Mais est-ce qu'il y a une île là-haut? Pense pas. Donc c'est peut-être une grotte. Bon, celui-là. Celui-là m'a l'air un peu. Oula, je dis ça, mais je sais pas où il est. Des graines lumos. J'ai jamais été aussi content d'en trouver. Pourquoi il y a un rocher là? Ah! Voilà pourquoi.
Il est pas normal ce caillou. Ah, et qu'est-ce que tu fais, Michel? Ah, faut que je fasse un amalgame. Mais je crois que toutes mes armes sont amalgamées. On va amalgamer celle-là. Par contre, là... Ça me dit que le... Avec un bouclier. Merde! Putain, c'est vrai que j'y pense jamais à ça. Non. Si on n'aurait pas une autre. Oh, dis-moi pas que le... te manque le bar, ouais. Attends, je vais... Je vais mettre un truc, genre... Mais du coup, est-ce que c'était ici qu'il y avait le... Le sanctuaire? Je pense que c'est ça en plus. Penser c'est pour les faibles, ouais, je suis d'accord. Mais je pense que le sanctuaire est effectivement là. Ça pue que... Ou alors, peut-être dans la cascade, mais ça m'étonnerait. Oula, je suis où? Ici, on pense pas, ici, on agit. Oh non, me arrête avec ça, le jeu.
Ah, Kaxo, je sais pas quoi. Ah, mais le caillou est encore là? Ah, bah oui! Oh non, mais je m'en fous là, attends, j'ai pas que ça à foutre. Ah, du coup, on peut faire un bouclier maintenant. Non, mais je vais pas le faire. Attends, je vais essayer un truc. T'inquiète. Ici, on est des professionnels. Oh là là, c'est vraiment une chochotte ce Link. Hein. Attends, est-ce qu'on a le droit de dire chochotte? Je pense bien que c'est chez les Yiga, hein, le... Le sanctuaire. Ouais. Bon, bah tant pis, hein. J'en vois plus beaucoup des sanctuaires comme ça au pif. Ça devient rare. Je pense que je sais pas. Mais non, je l'avais oublié. Des fois, on passe des bonnes sessions où il n'y a pas beaucoup de Korogu et. Pardonne-moi de t'ennuyer avec mes problèmes. Est-ce que je peux te demander ton aide? Je voyage avec un groupe d'amis, mais je les ai perdus de vue un court instant et je n'ai pas réussi à les retrouver. Je les ai cherchés si longtemps que je... le froid de la nuit m'a frigorifié et je ne peux plus bouger. Esquive. Ce qu'il voit. Je peux survivre grâce à ce feu de camp. L'habitude de voyager, mais je me suis vraiment laissé surprendre. À présent, il faut vite que j'aie retrouvé mes amis. D'accord. Une mission. Ça, c'est un giga, ça encore. Sakai, j'espère pour toi que t'as esquivé pour affronter le froid. Allez, je fais gaffe à toujours. Ouais, je donnerai pas cher de ma peau. D'accord, merci. Allez. Qu'est-ce qui a gueulé comme ça? Ah ouais. Ah, il devrait tenir nickel là. Ça, c'est pour le fun.
Voilà. N'empêche, il faut savoir que là, lui, il va déplacer ce gros caillou, hein. Voilà. Mais bon. Merci, Michel. Allez, salut. Je vais essayer de rentrer dans le trou là, voir ce qu'il y avait. Faut au moins que je fasse un dernier sanctuaire avant d'arrêter. Putain. Je crois que j'ai mangé trop vite. Qu'est-ce qu'il y a donc dans ce... Les fameux... Trente et un, je prends les trucs qui font moins mal. Bah, la baguette de magique. Oh. Quoi cette grotte éclatée qui sert à rien là? Sérieux? Non. Y a un truc à faire. Bah non, apparemment non. Il y a le truc qui vole là. Ah mais je suis con, c'est vrai que je peux faire ça avec lui, non? Eh ben ouais. Bon, il n'y a rien. On va essayer de trouver le... Quel sanctuaire déjà? Bah moi je voulais voir celui-là moi, mais... C'est un peu le bordel, hein. Pour s'y retrouver là, ça devient... Ça devient complicado. Est-ce qu'on tente d'aller dans celui-là? Je sais pas si on y arrive.
Allez, c'est reparti pour... Oh non, qu'est-ce qu'il fait? Peut-être qu'on y arrive, mais... Quoi qu'il fait trop chaud, ou il y a une brume. Normalement, faut traverser le désert, hein, mais bon, je vais rien dire. C'est un peu le problème du jeu, quoi. Engin? Engin glissant. Oui, mais encore. On va faire de la luge, hein. Voilà. C'est bon, j'ai bien garé. Ce qui est génial avec ce jeu, c'est qu'on peut accéder à un endroit de plusieurs façons. Ouais. Mais. Je trouve que c'est dommage quand même, dans le sens où parfois t'as. Comment dire? C'est bien d'atteindre un endroit, tu vois, par l'endroit qui était le mieux pensé, tu vois. Par exemple, là, c'est par le désert. Bon, il y a la vallée Gerudo, tout ça. Ouais, moi, je suis arrivé en volant sur. Allez, est-ce qu'il n'y aurait pas une petite statue à cet endroit où je suis?
En espérant. Et sans sanctuaire, Toron. Je pense que oui, hein. Ah, je l'aimais bien cet endroit. Tu ressentais bien la... l'oasis. Musique qui va bien. Alors, je me rappelle que dans Breath of the Wild, j'avais une petite tenue sympa pour aller dans le village Gerudo. Petite tenue qui a valu d'ailleurs beaucoup de... Voilà. Beaucoup d'images, voilà. D'ailleurs, je sais plus si c'était... justement au sommet de cette tour. Tout a l'air en ordre à la cité Kuruto. Mais en fait, c'est la vigie du bazar ici. Les civils n'ont pas été... Après tout, il n'y a pas de mal. Tu viens de loin. Tu as mérité de profiter de la vue. On domine la brume de sable depuis ce point. Contrairement à partout d'ailleurs, dans le bazar à sec. Ah oui, le bazar à sec. Lol. Est-ce que c'est sec? Je sais pas si vous aviez compris. Pas facile à comprendre ce genre de... Pas monter là? Ça a pas l'air. Bon. Un champignon ça. Pas l'air d'y avoir de statue ici. Attention, meilleur coffre de la soirée. Oh, un petit arc Gerudo. Sovak, je voulais dire pardon. Il faut que je fasse gaffe. Je vais encore me faire enguirlander. Ma boss a demandé de décorer une arme pour la rendre plus classe. Elle a dit qu'elle voulait une décoration étincelante, qui dégage une passion ardente. En plus, je peux pas utiliser de matériaux de monstre. Si au moins je pouvais prendre un modèle. Allez. Ma gueule. Waouh, merci. J'en sais rien, moi il y a des coffres au pif, moi j'y vais, hein. Allez, je retourne le tour du guet. Tour de guet, pardon. C'était pas fait exprès, au cas où.
Et du coup, je vais donner les quatre. Je sais plus quoi là. Je peux aussi renforcer le lien qui est uni avec au sage de ton choix. Bon, moi, je dirais Babybel, hein. Ça fait quoi? Vous permet d'invoquer un avatar plus puissant? Que veut donc dire cette sorcellerie? Ah, ça y est, on passe à la ligne d'en dessous. Mais dis donc. Attends, faut que j'essaye là, vite fait. J'ai en train de réfléchir parce que est-ce qu'il faut que je le sélectionne ici? Non, ça a l'air d'être. Attends. Et comment qu'on fait? Allez, juste un peu plus fort au combat. La déception. El decepcionados, comme on dit en. En espagnol, on va le faire combattre, hein, attends. Bon après ça c'est des mobs de base donc. Oh, il y en a un gros là. Allez salut. Headshot. Là. Non, ma baguette rubis. Et son pouvoir qu'il a peut être légèrement plus rapide. Ouais, ok, il y a bien. Technique, un délire de recovery quoi. Non, ma baguette de rubis. Nouvelle technique.
J'espère qu'il est pas trop loin. Ah mais regardez ce fils de pute, 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 pute. Attends, tu vas voir moi comment je vais. Vas-y, c'est de la merde. Ça tient pas l'équilibre, ce machin. Je sais, je sais. Il y a un délire de poids là. Il est trop gros là. Allez. Là c'est nickel. Il va où? Mais comment ça? Dédicace à tous les cacaou. J'ai l'impression que ça s'arrête tout seul. C'est limité ou quoi? Ah non, mais on est d'accord, on va bien dans. Moi je l'ai fait juste parce qu'il se trouve sur ma route. Il était en train de se barrer. Ah, dès qu'il est trop loin. Ah, je savais pas que ça pouvait pas aller à un certain... T'as l'impression le mec il a pris la map au pif, il a mis des croix partout avec les yeux bandés. Ouais. C'est exactement ça. Allez, ça suffit. Allez hop, vous mettez des crottes partout, il y a des croix. C'est des japonais, mec. Je t'ai dit, je t'avais déjà dit, c'était comment les réunions japonaises.